Il y a un petit texte qui défile régulièrement à l'écran. Ce petit texte, c'est ce que vous avez en remplacement des images de télévision quand les programmes de Canal 29 ne se tiennent pas le mercredi soir à partir de 20h ou le samedi à partir de 14h pour la rediffusion. Ce texte, nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler. C'est la possibilité pour toutes les associations de la cité ou même pour des particuliers de faire passer des annonces concernant les activités, de ce qui peut avoir lieu dans Avenchais, sur la commune de Vernier ou parfois recherche chat perdu ou Dieu sait quoi. Pour faire ce texte, il fallait un appareillage qui maintenant commence à dater de bon nombre d'années. Fond noir, fond de couleur, lettres uniquement en majuscules, peu de possibilités, pas de minuscules, pas de lettres accentuées, peu de ponctuation. Tout cela a évolué depuis maintenant 2 semaines. Cela a surpris plus d'un d'entre vous. Nous allons peut-être refaire le tour de l'équipement, ce qui a été avant et ce qui est maintenant. L'ancien équipement ne pouvait être diffusé au départ que dans des lettres limitées par rapport au nouvel équipement que vous pouvez avoir actuellement sur vos écrans, qui donne donc des lettres en couleur, ce qui n'était pas le cas avec notre ancien appareil. Cet équipement que nous avons mis maintenant de côté a bientôt plus de 12 ans d'activité, ce qui n'est pas rien. Il est à la fois brillant, il posait quelques petits problèmes, puisqu'en cas de panne d'électricité, on se retrouvait avec de drôles de caractères sur les écrans. Et puis finalement, au niveau évolution, c'est vrai que c'était quelque peu limité. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir proposer un texte qui est un peu plus propre, un peu plus varié. Et pourtant, les sophistications du nouvel équipement sont telles que nous ne sommes pas encore au bout du mode d'emploi. L'avantage de ce genre d'équipement, bien qu'il soit relativement ancien, c'est lorsque nous étions à l'antenne, on pouvait faire deux manipulations avec le même appareil. Sur l'écran de gauche, on pouvait commencer à préparer un texte, alors qu'à l'antenne, vous aviez toujours une image fixe. Ça, c'est le propre des appareils professionnels. Ce sont des éléments qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur ce qui est disponible dans le commerce, malheureusement. Mais paradoxalement, il fallait beaucoup plus de choses pour faire tourner un simple texte à l'écran. Non seulement 2 moniteurs, un pour voir le texte préparé, 2 pour voir l'image finale. Le générateur par lui-même, qui est quelque peu bruyant, comme on peut s'en rendre compte, et en plus, il fallait un générateur de couleurs ou en tout cas une mire vidéo de façon à stabiliser ce genre d'appareil et vous fournir un signal. Comme quoi, le progrès, eh bien, il avance, mais on ne vous fournit pas tout, c'est une option et ce sera plus cher. Thank you.
Nouvel équipement, nouvelle possibilité d'image. On s'en rend compte tout de suite. La taille de cet appareil est largement différente de ce que vous avez pu apercevoir il y a quelques secondes. Les possibilités sont aussi un petit peu plus importantes. Ici, on peut gérer la couleur pour les caractères, on peut gérer la couleur pour les fonds de l'image. Les mauvaises langues vont dire pour l'instant, eh bien, on cherche encore dans le monde d'emploi comment arriver à marier les deux, mais ça viendra, un petit peu de patience. Et puis surtout, eh bien, le texte, on gère majuscules, minuscules, lettres accentuées, une ponctuation plus large, ce qui permet quand même de donner des textes plus agréables. Et puis vous avez pu constater, avant le texte défilait à l'écran, ligne par ligne, comme un rouleau, et maintenant on fait apparaître les pages les unes après les autres avec un rythme de 15 à 20 secondes, ce qui donne en général le temps de pouvoir les lire sans trop de problèmes. C'est une évolution, le seul problème, eh bien, c'est que cet appareil-là, quand on veut faire transiter certains signaux qui nous proviennent de la régie, on n'arrive pas encore pour l'instant à passer d'un appareil à l'autre. On doit encore débrancher les câbles. Ça fait un petit peu antidiluvien, mais que voulez-vous? Le progrès, tout ne peut pas venir en même temps.